cette immense affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour nous que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Ronaldinho, sanctionné par l'arbitre. Tant qu'on le garde droit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ça joue long vers l'avant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est un bon mouvement. Cristiano Ronaldo. Le but de Barcelone. Yes, 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 yes. La frappe lointaine et quelle précision. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Dembélé, Maradona qui récupère ce ballon. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Piqué, dans la profondeur, sur le côté. Changement d'orientation du jeu. Il y a du mouvement. Ronaldinho. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. C'est un sacré dribbleur. On ne vous apprend rien. Et la bonne intervention. Avec Ronaldo. Modric. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Attention, occasion, il tire. C'est au fond des filets. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à notre but. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le FC Barcelone vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Oh, Lewandowski. Cruyff. Ronaldinho. Le gros dégagement. Il se fait pardonner. Le FC Barcelone qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Le tacle. À la régulière, il est battu, joli tacle. Luis Suarez vers l'arrière. Oh, Lewandowski. Le ballon dans la profondeur. Bon, c'est bien joué.
Façon la frappe. Premier corner dans cette rencontre. Il tente de se dégager. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Deux buts d'avance, ils mènent pour l'instant 2-0. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. On a bien vérifié, les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. Va-t-il en profiter? Il est bien placé. Il va frapper! Il se recentre. Pas de solution, demi-tour. Oh, Luis Suarez. Piqué qui est récompensé de son pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Oh, la grosse occasion! Wagué. Maradona. Oh, Luis Suarez. Il cherche la profondeur. Modric. Maradona. Pavard. Pour Ronaldinho. Il a tenté, bien joué. Maradona! C'est bien intercepté. Ça va soulager un peu. Ronaldinho, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il revient dans l'axe. Cristiano Ronaldo se projette vers l'avant. Il remporte son duel. C'est joué long. Griezmann, il décide d'allonger le jeu. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué dans l'espace. Piqué. Cristiano Ronaldo. La passe en profondeur pour Maradona. Au duel. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Quelle victoire! Quelle victoire absolument fantastique, sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe, et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence.